J'ai le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est celui-là. Oh non. Avec la tête qui va avec, tu sais. Yeah. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est extrêmement particulière, comme vous l'avez vu dans le titre, parce que j'ai décidé un jour, moi je suis comme ça, c'est vrai que très rarement je décide un petit peu en avance de ce qui va se passer, des rencontres, même du live que j'ai fait assez récemment. Moi quand ça me prend comme ça, je décide de le faire, et là je me suis dit, en me réveillant le matin, j'ai vu mes souvenirs Facebook, et j'ai vu que le 5 septembre 2020, j'avais organisé la première Coxie Rencontre, et je me suis dit pour marquer le coup, il n'y aura pas de Coxie Rencontre cette année parce que c'est trop d'organisation. Donc j'ai décidé d'organiser une Coxie Rencontre improvisée, comme je l'ai appelée. Voilà, on a trouvé un spot et on s'est dit, ceux qui viennent, viennent. J'ai mis un petit post sur Instagram Annabelle la Coccinelle. Et on a eu la visite consécutivement de Séverine qui est venue, de José, de Sébastien, de Steve, Alexandra qui est venue avec son fils. Donc que du beau monde, Steve est resté un petit peu plus longtemps, les autres ils sont venus passer une heure ou deux avec nous, après ils sont repartis, on était gâtés comme il n'y a pas, on a passé vraiment un super moment. Et vraiment ce qui m'a marqué là-dedans, et vous allez voir ça, c'est José qui est handicapé et qui voyage en van. C'est vrai que souvent on se dit comment on peut aménager les choses pour qu'une personne paraplégique, parce que José est paraplégique, comment est-ce qu'on peut aménager ça de manière... pouvoir vivre dedans, et bien vous allez voir dans cette vidéo. Et ça c'est une très belle leçon de vie. C'est vrai que quand il a expliqué certaines choses par rapport au jugement, au rêve, ça m'a tellement touchée. Vraiment j'ai eu limite la larme à l'œil parce que c'était très très beau. Comme je vais le dire dans la vidéo, sachez que je vais réorganiser ce genre d'événement mais à plus large échelle. Cette fois-ci je ferai certainement un live YouTube pour prévenir, sur Facebook aussi. Mais les petites rencontres comme ça, je vous avoue que quand on rencontre une personne par une personne, c'est plus facile pour moi que de, comme à la Coxie Rencontre, rencontrer 50 personnes d'un coup, être un petit peu submergée d'un coup de personnes qui arrivent. Bon bah, je suis arrivée à la Coxie Rencontre, il y avait 6 personnes autour de moi qui me filmaient, qui me photographiaient, qui me parlaient en même temps. Et c'était vraiment pas facile et j'ai regretté vraiment ça à la Coxie Rencontre, c'est de ne pas pouvoir avoir pris le temps comme je le voulais avec les personnes. J'espère que vous passerez un bon moment avec cette vidéo. Franchement, nous, on a passé 3 jours formidables et je pense que ça va se ressentir dans cette vidéo. Donc, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis! Donc du coup nous voilà arrivés, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'abonnés, il est 17h30 à peu près, à part les deux jeunes femmes qui sont là-bas et qui m'ont vu passer sur la route et elles n'étaient pas sûres que c'était moi, donc du coup elles ont dit allez au culot, j'y vais, je demande si c'est elle, et c'était moi. Elles n'étaient pas prévenues que je faisais une petite coxie rencontre, mini coxie rencontre. Par contre ce qui m'inquiète c'est la tonne de moustiques sur le spot, je sais pas si on voit à travers la vidéo mais il y en a vraiment beaucoup, donc j'espère que ça va le faire. Faut vraiment que j'achète de... comment j'avais dit, de l'huile de citron, non, de l'huile essentielle de citron, de citronnelle, et de lavande aussi, ouais. On s'est installé comme d'habitude, le Uno, le petit saucisson de notre ami Adrien. C'est Adrien. Non, c'est Arnaud, mince, Arnaud. Falcorella, Nani, et je vous fais un petit zoom. Il est en train d'observer si des abonnés arrivent, mais pour l'instant, on n'a vu personne. Comme on est dimanche, on n'a pas pu trouver de grande surface, donc on a été obligé de prendre une petite bière de Punkachien, la petite 8-6. Mais que j'aime bien parce que finalement c'est quand même pas trop mauvais. Et je vais aller m'installer sur mon siège qui a la grande classe, hein, on peut bien le dire, avec les accoudoirs qui sont toujours dans un état pittoresque. Je vais m'asseoir sur ma petite chaise et on va attendre. Et on va voir si des gens viennent nous rejoindre. Bah, on les attend, on est là. C'est sûr que par rapport à la première Coxie Rencontre, voilà, c'est un petit peu plus calme, on va dire. Je n'y étais pas, je peux pas te le dire. C'est vrai que tu n'y étais pas. Est-ce que tu as vu la vidéo sur la Coxie Rencontre? Tout à fait. D'accord, tu as bien aimé. C'était sympa. Il y avait de la danse, il y avait eu du chant, on avait fait de la cuisine, on avait fait un petit feu, il y avait eu un barbecue, il y a des moustiques.
Je suis en train de me faire manger depuis tout à l'heure, c'est horrible. Parce que c'est vrai qu'on donne pas toujours notre position, parce que des fois on a simplement envie de se reposer quand on est sur un spot, ou quand on bouge souvent, ou que quand on était avec ta famille, que j'étais avec la mienne. Mais là, on a envie de rencontrer du monde, et en plus pour les 1 an de la Coxy Rencontre, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion pouvoir échanger avec des gens qui nous suivent. Et... C'est vrai que c'est sympa de partager. 19h, personne. Bon du coup 20h, Anani, toujours personne. Idriss nous a fait des petits apéros, du pain de mie avec du maquereau. Voilà, on n'avait que ça. Et il n'y a toujours pas d'abonnés. Anani, on est quand même entre Valence et entre Lyon et près de Montélimar. Donc normalement, il devrait quand même avoir pas mal de monde ici. Oula, la vie est dure, Nani. Quelle heure est-il? 20h30. 20h30. Et nous sommes avec... Séverine, nous ne sommes pas tout seuls, elle nous a enfin rejoint, on désespérait de croiser quelqu'un ce soir. J'ai repéré le parking en photo, comme je connais bien les coins, donc... Oui, parce que tu nous as dit que c'était difficile de trouver. Ça m'a emmené à un autre endroit, mais je pense que c'est pas très loin d'ici, plus par là-bas. On a cherché, moi j'ai fait avec Park4Night, mais t'as peut-être pas passé par là, je sais pas. Si, j'ai fait avec Park4Night, ça nous a amené ici. C'est pas assez précis et... Ah mince. Ça va, je connaissais le coin et j'ai repéré le parking, j'ai refait tout le tour. Je me suis dit ça doit être là, mais ça doit pas être très loin. Et ça se trouve, là, il y a genre 20 personnes qui tournent en rond depuis tout à l'heure et qui nous cherchent, tu vois. Et on se dit qu'en fait, personne veut nous voir. Et nous, en fait, c'est juste, on a indiqué le mauvais truc. Parce que toi, tu es de Valence, du coup. J'habite à Valence, même. Et c'est à combien de temps d'ici? Ça doit faire une bonne demi-heure. Ah, le retour de Falcor. Et depuis combien de temps tu nous suis, du coup? Alors, toi, ça doit faire le mois de mars 2020, n'est-ce pas, le fameux. Mars 2020. Ça fait un an et demi. Ah oui. Et puis Idriss, t'arrives en novembre toi, un peu plus tard. En novembre j'ai commencé. Toi, un peu plus tard, je sais plus exactement en fait parce que je regarde un peu les vidéos. Ouais. Tu regardes d'autres youtubeurs aussi j'imagine. Ouais j'en ai quelques-uns mais pas tant que ça en fait. Parce qu'après bon... On a une vie sociale aussi donc... Voilà et puis pas que ça à faire non plus. Ouais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et puis voilà. Nous on n'a pas de télé tu vois donc du coup on est plutôt tranquille vis-à-vis de ça. Toi tu voyages aussi du coup? J'ai fait un petit zoom sur ta tête. Mais si, on change un peu de plan. Non mais ça va, on voit pas trop, c'est normal, t'inquiète pas. Il commence à faire nuit là, ça va. On te voit pas trop. Ouais, j'ai un camion aussi aménagé. D'accord. Là, je suis pas venue avec parce qu'il est chez le garagiste. Ah, t'as eu un problème mécanique? Oui, il démarre plus. Ah. Je pense que la batterie, enfin j'espère que c'est que la batterie. Ça peut être les bougies aussi. Ça peut être plein de trucs. Annabelle mécanicienne maintenant, ça ne rigole plus. Et tu utilises aussi Park4Night du coup pour te garer ou... Ouais, je regarde un peu, ou... Le problème c'est que en fait je me rends compte que quand tu pars un peu au pif, dans les petits villages finalement tu arrives toujours à trouver des coins sympas. Souvent, sans regarder Park4Night. Nous voilà le lendemain, alors hier on a passé une super bonne soirée avec Séverine qui nous a donc rejoint. Elle est restée jusqu'à à peu près je crois 22h, quelque chose comme ça. Vraiment elle était adorable et elle nous a offert un jeu parce qu'elle sait qu'on adore le Uno. Du coup elle nous a offert un espèce de memory qu'elle fait elle-même parce qu'elle a une petite boutique qui s'appelle The Goat Travel. Le voyage de la chèvre. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme nom, mais en fait, quand elle a acheté son camion, en fait, il y avait écrit, il y avait tagué dessus The Goat Travel, et elle a trouvé ça original, donc du coup, elle l'a laissé, et elle a même décidé d'appeler sa boutique comme ça. Parce qu'elle aimerait bien voyager et vivre de ses créations, et elle essaie différentes choses, elle essaie la peinture, là, elle fait un petit peu de... comment ça s'appelle, d'illustration. J'ai pas encore eu le temps de vraiment bien regarder ce jeu de memory, mais ça a l'air d'être plutôt des petites fleurs, comme ça, des tulipes. Ah, j'ai cru voir un trèfle à 4 feuilles. Oh, il est vraiment super joli celui-ci. Idriss et moi qui avons une mémoire de poisson rouge, ça va nous aider à rafraîchir notre petite mémoire. Et accessoirement, ça nous occupera pendant un petit temps. Du coup, la deuxième journée de Coxy Rencontre improvisée continue. Là il est 13h et pour l'instant il n'y a eu personne mais j'ai reçu quelques messages de personnes qui peut-être passeraient après leur travail parce que comme on est lundi c'est plus compliqué aussi et qui voudraient nous rencontrer donc on les attend, de pied ferme je dirais même. Et là on était à la rencontre de Steve qui est venu nous voir avec son camping-car, c'est celui-là. Là on va aller se poser tranquillement sur un banc, il continue à papoter parce que depuis tout à l'heure on était à l'ombre ici, on n'en peut plus, il fait hyper chaud. J'ai 37 dans le camping-car, donc c'est vraiment pour vous dire qu'on cuit. Donc du coup, la Coxy Rencontre improvisée continue. Et nous avons eu la visite de Steve, qui était dans le coin. C'est ça. Et qui du coup nous a rejoint ici pour passer un petit moment ça, ensemble. Voilà. Enfin Enfin Il était temps.
Parce que tu nous suis depuis longtemps, non? Enfin, tu me suis. Oui, ça fait depuis tes débuts quasiment, deux ans. Quand j'étais en blanchisserie, ouais, c'est ça, quand je galérais. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc ouais, c'est quasiment depuis le début. Parce que tu rencontres beaucoup de youtubeurs. T'as rencontré le Gaulois, les Faux Fileurs, les Vadrouilleurs, les Lovicars. Friend Family aussi. Est-ce que après tu nous présenteras ton camping-car? Oui, si tu le souhaites, oui, tu nous feras une petite visite guidée parce qu'il est quand même vachement grand. Il fait combien de mètres? 7,40 m. 7,40 m, ah ouais. Tu dois avoir du mal des fois à te garer. Non, bah, regarde, je suis sur une place de parking, donc oui. Ouais, c'est sûr. Je ne dépasse pas devant. Tant qu'à l'arrière, je peux passer en dessous. Pendant ce temps-là, Nani squatte la chaise. Il faisait un gros dodo. Falco est venu le réveiller avec une grosse papouille. Ah, Nani? T'as fait attention à celle-ci? Hein? T'aimes bien dormir sur ma chaise, hein? Enfin, ou alors sur la tienne, ouais. Il trouve que c'est plutôt confortable. Ouais. Plus confortable que le sol. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup Nani aujourd'hui. Oula, dis donc, tu pars au quart de tour, toi? Tu pars au quart de tour, toi, là, que tu me griffes? Parce que la plupart du temps, là, maintenant, la nuit, il est dehors au frais. Et la journée, il se trouve un petit coin quelque part. Et il rentre juste pour manger. Après, il repart. On s'est posé avec le petit 4-quarts, le Babybel. Et toujours Steve qui est avec nous. Tu dors ici, toi, ce soir? Ouais. Et du coup, les gens se demandaient si t'étais nomade. Oui. T'es nomade? Oui, je suis nomade, ouais, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Est-ce que tu regrettes ton choix? Oh non. Pas du tout? Non, pas du tout. Tu voyages beaucoup? Je bouge beaucoup. Je voyage pas forcément loin, mais des fois, on n'est pas obligé d'aller loin pour voir peut-être de belles choses. C'est vrai. Et puis, tu vas travailler aussi, c'est ça que tu disais? Ouais. Oui, c'est ça. Parce que mon mode de vie, moi, il me permet de pouvoir me déplacer un peu partout parce que je suis dans la sécurité. Mm-hmm. Donc, sécurité préventive. Il y a Nani qui vient de me sauter sur l'estomac. Bien, Nani. Oh, Nani, ton anus. On ne veut pas le voir, merci. Donc là, on va partir à Intermarché pour acheter quelques munitions parce que nous avons, José qui va nous rejoindre d'ici peu. Il a dit qu'il arrivait dans pas longtemps. Est-ce que tu peux rappeler aux gens comment tu m'as accueilli? Il était comme ça, il m'a fait ça quoi, mais j'étais pas prête. Enfin, pas ici, mais dans son camping-car. J'avais pas entendu le cri, moi je l'ai entendu. Donc déjà, j'étais un peu timide d'arriver et tout, et puis lui, il m'accueille comme ça, donc ça m'a déstressée tout de suite. Je suis timide. Et du coup, Steve, il vit aussi avec son chat, oui. Qui a 6 ans, c'est ça? Il a 6 ans, ouais. Il a 6 ans, et il le suit hein, dans ses petites aventures. Ouais. C'est grâce à toi d'ailleurs que justement, il vit comme ça, heureux. Ah ouais? Ouais, c'est grâce ça. À moi. Ouais, c'est grâce à toi. Oh, Annabelle influenceuse. Ouais. Attends, il y en a un qui veut rentrer. Ah mince. Qui est-ce? Vas-y mon grand. Hop là. Ah, bah, c'est Idriss. C'est moi, Idriss. Bonjour. Donc si tu le souhaites, Steve, tu peux nous présenter rapidement ton camping-car. Un petit camping-car, vite fait. Ouais. Est-ce qu'il a un nom déjà? Le migrateur. Le migrateur, bah comme c'est écrit voilà. Sur le côté quoi. D'accord. Tu t'es pas foulé quoi. Non. T'aurais pu l'appeler Fleurette aussi, c'était écrit Fleurette. J'ai pas de trouver de prénom. Donc, après quand je suis tombé dessus, j'ai vu que le migrateur ça me correspondait vachement pour migrer un peu partout. Mm-hmm. Donc je trouvais bien. Aussi, c'est pas mal. Donc il était destiné à moi. Mm-hmm. Effectivement. Voilà. Donc ça c'est un espace cuisine. Voilà. Dans lequel tu nous fais des bons petits plats. Là j'ai mon congélateur. Ah, attends, je recule. Je la mise au coin. Et donc, congélo. Congélo, frigo. Frigo. Tout là, en haut. C'est tout ce qui est parti. Rangement. Ranger, tout ce qu'on veut, quoi. Là, c'est la partie chambre. Hein. Mon lit. Celui-là de mon fils. Ouais. Donc, on a chacun notre. C'est pour ça que je voulais justement des lits jumeaux. Comme ça, chacun avait son espace personnel à lui. Mm-hmm. Là, c'est ce côté rangement pour lui. Ouais, t'as quand même pas mal de rangements. Hein. Oui. Je vois, c'est oui, cool. Oui. Puis en plus, là, sous les lits, j'ai tout ce qui est. C'est les soutes, en fait. Hein. D'accord. Les deux lits, là, j'ai les soutes. J'ai rajouté un rideau occultant qui permet de. D'occulter. D'occulter, et puis surtout pour le froid aussi. Ah oui, oui. Parce que souvent, c'est l'hiver, le froid souvent, arrive de l'arrière. Souvent. Voici l'espace salle de bain. Salle de bain. Donc là, avec la grande douche. Qui est très ici. Grande douche. Donc là, ma réserve d'eau. Ça, c'est mon matériel d'agent de sécurité. D'accord. Ça, c'est. Ton petit lavabo, partie de toilette. Les toilettes sèches, j'imagine. Non, assez chimiques. Chimique, ouais. J'aimerais bien les sèches, mais vu que je pense le revendre, donc derrière, je pense qu'il vaut mieux le laisser comme ça. Mm-hmm. Et là, c'est tout ce qui est penderie ici. Ah ouais, même là, t'as un truc. Penderie, puis que ça descend encore jusqu'au fond. Là, on a le petit coin salon avec la table ça, qui peut se rabattre et s'abaisser pour faire un lit. Donc là on est de retour des courses et je vois que José est déjà arrivé avec son fourgon, donc on va aller lui faire un petit coucou.
Oh putain! Oh tiens! Ça va, alors le shampoing. Mais écoute, t'en as mis partout. Le shampoing ou shampoing. Falcor a l'air d'aimer le cidre, le cidre doux. Donc là, on est posé avec José qui nous a rejoint. C'est du cidre. Coucou. C'est pas du shampoing. Oui, c'est du cidre. On est sérieux. Ah, on n'est pas des gens qui font n'importe quoi. Non, non. Nous avons des responsabilités. Oui. Oui. Du coup, José va nous emmener jusqu'à son camping-car. Pas très loin. Il est pas très loin, il est juste là. Juste là. Et il va nous expliquer son petit système pour pouvoir lever, enfin, comment on dit, pour... Pour pouvoir lever, baisser, lever... Pour que tu puisses monter avec ta chaise oui, voilà. Dans le véhicule, quoi. Donc là, nous sommes dans un cas de figure où c'est fermé. Tout à fait. Voilà. Donc là, ça va s'ouvrir. Normalement, on dit « Sésame, ouvre-toi ». Chonchon, ouvre-toi. Chonchon, ouvre-toi. J'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs là, tu sais. C'est vocal, hein, attention. Voilà, la petite plateforme qui se déplace. Je vais y aller dessus après. Ouais. On va faire le petit test en direct. Attention, t'es la star là. Hein. Oui, bah écoute. Bah écoute. Une fois n'est pas coutume. Mais imagine un jour ça marche plus. Eh ben si un jour ça marche plus, ben là je suis dans la merde. Mais en attendant, j'ai le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est celui-là. Oh non. Avec la tête qui va avec, tu sais. Yeah. C'est la magie ici. Tu peux filmer les spectateurs, hein. On voit bien qu'ils sont terrorisés. Ouais, avec Dany qui s'en fout complètement au milieu de la route, là derrière. Chonchon, ferme-toi. Au revoir. Allez, salut. Au revoir. À bientôt. Au revoir, José. Donc du coup, toi, tu voyages avec ton van, c'est ça? Avec mon van, je voyage depuis très... Je suis un bébé, en fait. Un bébé. Je suis un bébé van lifer. Ouais. Mm-hmm. Parce que c'est fait en 2018. Alors, que tu l'as acheté. Le camion, je l'ai acheté en 2018. Ouais. Et depuis 3 ans, au gré des amis qui me font des petits travaux, des petites choses à droite à gauche, il y a des toilettes, il y a un lit, il y a une glacière, il y a une réserve d'eau de 100 litres. Donc après, le poste de conduite... Oui, t'as un truc spécial. Hop là. Et la poignée, c'est le frein, non, c'est ça? Comment? La poignée, c'est le frein. La poignée, c'est le frein. Tu l'as, non, la poignée, oui. Ça, c'est une devise... C'est une devise, ça, non? Poignée, c'est le frein. C'est vrai que ça ressemble à une devise. C'est un système de conduite manuel. D'accord. Donc, pourtant, je m'appelle José, pas Manuel. Les petits jeux de mots. Là, c'est le frein. Ouais. Et là, c'est un accélérateur. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça. Je vais faire comme ça. La boîte de vitesse, c'est une boîte robotisée 6 rapports. Ah oui, ta glacière est là. La glacière, voilà. D'accord. Le lit, c'est la planche verticale qui est à gauche, là. Qui se rabat. Bon. Tu mets un matelas quand même dessus ou tu dors direct sur la planche en bois? J'ai un côté fakir. Je vais faire ajouter des clous. Des clous, non. Ici, ce coin, c'est le coin travail. Mm-hmm. J'ai un évier ici. En dessous, là? Qui est là, ouais. Et puis, à côté, la boîte, c'est un petit réchaud, en fait. Du coup, c'est quoi ta chaîne? C'est José Siza, le baron d'eau de ma chaîne, le baron d'eau. Le baron d'eau. Tu connais, non, le baron d'eau. En parlant suisse. C'est un chat. Le baron d'eau, c'est un chat. Ok, je mettrai peut-être le lien dans la description, je chercherai ta chaîne et je le mettrai, comme ça les gens pourront cliquer. Ça serait super gentil. Directement. Et puis j'ai 290 abonnés. C'est déjà bien. T'en as combien, toi, Steve? Moi, j'en ai 130. Steve aussi, il a une chaîne. 136. Ah! C'est quoi ta chaîne, Steve? Steve, Team Bisseur. On ira voir ça. Je voulais préciser qu'en fait, moi je fais rien, en fait. Tu fais rien sur ta chaîne? T'as juste une chaîne, mais il n'y a rien dessus? Si, je suis un petit peu militant pour la cause des personnes handicapées. Abonnez-vous, c'est gratuit. On peut avoir des handicaps, mais on peut aussi profiter de la vie. Et quand on veut, on peut. On t'a demandé de parler, toi? Il part, non? Mais reviens, merde! Lorsqu'on a envie de vivre ses rêves, même avec un fauteuil roulant ou même sans fauteuil roulant, il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Mm-hmm. Ça vaut toujours la peine de se lancer. Si on ne fait pas les choses pour éviter les jugements, c'est vraiment dommage. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Moi, tout ce que l'on voit ici, tout ce qui a été fait, même le rideau, même la pose de ma barre de son et tout ce qu'on veut, ouais. Forcément, moi, je ne peux pas bricoler. J'ai trouvé des bénévoles, des amis,
Moi, je dépanne les ordinateurs gratuitement depuis des années, donc je me dis, bah, pourquoi pas. Il faut convaincre une personne qui t'aide à qu'elle soit tes bras, tes jambes, mais pas ton cerveau. Je vais faire ce qu'il me demande, mais en modifiant sa demande. Non. Ah ouais. Non, toi, non. T'es, bah non, c'est toi qui choisis encore, c'est ton véhicule. Donc moi, je suis tout à fait ouvert aux échanges. Ouais. Mais pourquoi tu le fais pas comme ça ou comme ci, etc. Mm-hmm. Si je me rends compte qu'en fait, on essaye de me faire changer d'avis, je dis, bah non, on reprend, on recommence. Mm-hmm. Je vais te réexpliquer. Mon besoin, c'est celui-ci. Et voilà. Et puis voilà, comme quoi on peut voyager, même si on est handicapé ou autre. Même handicapé. Mon but, c'est aussi, comme toi, Annabelle, c'est de vivre le plus possible dans mon véhicule. Je ne sais pas si je vais y arriver. Là, j'ai fait des périodes qui commencent à être quand même un petit peu longuettes. J'ai fait 7 semaines dans le véhicule en 2000, dont une semaine en octobre, une semaine en novembre. Donc j'ai un chauffage. T'as ton Webasto, ouais. J'ai mon Webasto chinois, comme on dit. Alors aujourd'hui, c'est le troisième et dernier jour de la Coxy Rencontre improvisée. La prochaine fois, je pense que je le dirai sur YouTube. Enfin, j'essaierai en tout cas au moment où je fais mon intro et que je sors la vidéo de vous dire où on va se trouver. C'est vrai que là, c'était un peu, on va dire, expérimental. C'était complètement imprévu aussi parce que ça m'a pris comme ça un beau matin. C'était vraiment chouette parce qu'à la Coxy Rencontre, il faut savoir qu'on était à peu près 40, quelque chose comme ça. Et mon plus grand regret, on va dire, c'est de ne pas avoir pu profiter avec tout le monde, parce que 40 personnes, c'est énorme, et je ne peux pas forcément passer le même temps, on va dire, avec 40 personnes. Alors que quand c'est plus réduit, on va dire que c'est beaucoup plus facile d'échanger, etc., et d'apprendre à connaître la personne qu'on a en face de soi. Donc je vais réorganiser quelque chose comme ça, quand je sais à peu près où est-ce que je vais me trouver, je vais prévenir sûrement peut-être 2-3 jours avant. Là, je sais que ce matin, enfin à midi, il y a un autre abonné qui va arriver, qui va venir nous faire un petit coucou après le travail. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Donc du coup, tu nous as rejoint, t'es passé nous faire un petit coucou. Voilà, parce que juste à côté. Ouais. Il m'a posé le midi, mais voilà, on vient faire un tour. Donc t'as vu ma petite story et puis t'es venu. T'as pas eu peur? Non. Parce qu'il y a plein de gens qui se défilent au dernier moment, qui me disent qu'ils vont venir et finalement, ils viennent pas. J'ai frappé. En plus, j'étais pas dans mon camping-car, j'étais chez Idriss alors. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, mais après, je voulais pas venir devant. J'ai dit, on sait jamais dans quel état ils sont. Quel état ils sont? Non, mais écoute, on mangeait des chips, voilà. Non, surtout on faisait dans rien. La vie où ils sont, on sait jamais. Oui, c'est vrai. Moi, je t'ai habillé comme ça. Ça va. Oui, mais bon, voilà. On respecte la vie privée des gens. C'est quoi la première vidéo que tu as regardée? Tu t'en souviens? Je crois que c'était une vidéo où tu parlais que tu étais dans ton, tu étais dans ton camping-car et tu avais fait un travail à une blanchisserie. Dans une blanchisserie, ouais. Il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo en premier. Oui. Hein. Ouais, c'est là où j'ai vu tes premières vidéos. C'est les péripéties avec toutes tes pannes aussi. Ouais, bah ça, on s'en souvient. Hein. Je suis tranquille pour le moment, je n'ai plus de panne. Ouais. Enfin, je touche du bois. Et du coup, est-ce que tu voyages, toi, de ton côté? Ou du pas coup, mais pas en camping-car, parce que avec deux enfants, voire quatre, suivant le moment, en famille recomposée, c'est... Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça n'a pas besoin de voyager, on est déjà en voyage oui, c'est vrai. Dans le pays. C'est beau, j'allais dire le sud, mais les gens disent qu'on n'est pas au sud ici. En fait, pour moi, Valence, on est au sud, non, tu vois. Non, mais... non, Valence, c'est le nord du sud. Oui, bah, c'est ce qu'on me dit. Voilà, mais comme je suis belge, tu vois, oui. Pour moi, je suis dans le sud, dès que j'ai dépassé Lyon, je suis dans le sud. Mais de là où je viens, de la région de Béziers, pour ici, c'était le pôle nord déjà. C'est le pôle nord, ah ouais. Ah oh, mais il fait super chaud en plus. Nani vient dire bonjour à tout le monde, il est poli. Bonjour Nani. Bonjour, comment ça va? Tu sais que ce matin je l'ai retrouvé, il était en dessous de ton camping-car, ouais, en train de se reposer. Ouais, je sais, j'ai vu, hein. Il est bien à l'ombre là. Et du coup Sébastien nous a offert de la crème d'Ariane confiture de châtaigne. C'est apparemment une spécialité du coin. J'ai jamais goûté ce genre de choses. Mais il a dit que si on en mangeait, on aurait envie de manger tout le pot. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, c'est très gentil à lui. C'est vrai que les personnes qui nous ont rencontrés, ils sont tous venus avec un petit quelque chose pour nous. Donc c'est vraiment adorable. Donc là, on a sorti la table, les chaises. Et on attend Steve qui est parti nous préparer une salade. Petite salade avec des foies de volaille. Oh. Du concombre, mais tu n'aimes pas non plus. J'aime pas le concombre. La fille est trop compliquée, mais j'aime pas le concombre. Bon, il y aura des tomates aussi. Et on crève de chaud. Ah, il fait 39 dans mon camping-car. Moi 35. Et il n'y a que ici, on va dire, à cet emplacement très précis que j'ai moins chaud. Hier, on a José. Tout à fait. Qui nous a apporté des petits chamallows. Et c'est pas très bien en fait de manger des sucreries avant le repas, mais bon. On est un peu gourmand quand même. Mm-hmm. Et puis il n'y a pas d'air. Donc Steve, explique-nous
ce que tu nous as préparé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est simple, une salade de normale, hein. Mm-hmm. Salade de chêne, je crois, c'est du chêne, avec des petits croûtons de pain, de les tomates. Là ici j'ai fait concombre que tu n'aimes pas avec olive. Ouais. C'est pour nous ça les hommes parce qu'on a besoin d'énergie. Oh, pour les hommes, oh non, ça je ne peux pas laisser dire. Ça c'est ma vinaigrette fait maison. Ouais. Donc, je dirais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est des bon. Recettes secrètes. Ça c'est du foie de volaille. Ok, bah, bon appétit hein, et puis merci hein, surtout. Merci, merci. Ben, tu perds ton pain. Voilà, c'était du boulot quoi, mais, mm-hmm. Mais ça fait plaisir. Donc là je suis avec Alexandra. Et son fils Gabriel, voilà. On ne filmera que les pieds parce que elle est un peu gênée. Un peu gênée, voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai pas l'habitude, c'est pas mon métier. Voilà, je suis juste venue rencontrer Annabelle et Idriss. Ouais. Et les animaux aussi. Ouais. Voilà. Parce que toi, tu habites près de Valence. Voilà, c'est ça. Et comme tu n'étais pas loin, tu t'es dit, je vais passer faire un petit coucou. Voilà, c'est ça. Ok, et tu nous as gâté en plus parce que tu nous as ramené plein de spécialités que je montrerai après. Ouais. Et ça fait longtemps que tu suis nos chaînes? Alors, Annabelle, oui, plus de 2 ans, je pense, enfin, au début, je pense. Ouais, moi j'ai commencé vraiment à faire les vidéos fin 2019. Ouais, c'est ça. Donc ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans. Et Idriss, pas depuis la réunification, quoi. Réunification? Depuis une semaine réunie. Non, mais. À tout jamais. Ouais, si, je voyais les vidéos, mais sans être abonné en fait sur YouTube. Et puis après, voilà. Mm-hmm. Ouais. Ok, bah, ça nous fait plaisir en tout cas que tu sois passé. Bon, du coup, j'ai pas trop insisté avec ma caméra par rapport à Alexandra parce qu'elle était quand même assez timide. Elle voulait pas trop que je la filme. Tu nous expliques ce que tu es en train de faire? Rien du tout. Ouais, tu es en train de manger encore des chamallows. Je t'ai vu. Donc, c'est vraiment que des produits de la Drôme. Ça, c'est du jus de pomme fraise. Une bière qui est faite ici aussi. J'ai pas trop vu ce que c'était. Terrine à la clairette de Die. Et la clairette, José nous en parlait hier. La clairette, c'est un peu comme du champagne, comme ça. Elle nous a offert des pâtes aussi qui sont du coin et les œufs de ses poules. Donc vraiment trop trop gentil de sa part. Et voilà, la coquille rencontre imprévue est terminée. Enfin, c'était pas imprévu, c'était improvisé. Je crois que c'est un peu pareil. Steve s'en va après avoir passé 4 jours avec nous ici sur le spot. D'ailleurs, ce matin, il y a encore un abonné qui est passé nous faire un petit coucou, mais pas en rapport du tout avec les réseaux sociaux, juste il passait par là avec son vélo et il nous a croisés. Donc, bah, salut à toi, Paul, hein, si jamais tu te reconnais. Et le voilà parti! Je fais signe, je sais pas du tout s'il me voit faire signe. Merci pour tous ces moments partagés ensemble. Franchement, c'était vraiment super de pouvoir se retrouver entre nomades et de passer ces moments de partage, tout ça. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous transmettre un petit peu l'état d'esprit du week-end, c'est-à-dire de l'amour, de la bienveillance, du partage, de la joie, on a rigolé comme il n'y a pas, des moments de folie. Franchement, j'ai hâte de pouvoir réorganiser ça. Je le ferai pas tout le temps parce que très honnêtement, j'ai pas l'habitude de voir autant de personnes. Donc ça m'a pris une énergie folle de rencontrer autant de monde. C'est vrai qu'après ces 3 jours là, j'avais juste besoin d'être enfermée dans mon camping-car, ne voir personne, être juste dans mon lit avec mon petit bouquin. Mais franchement, au moins une fois par mois, ce serait sympa de pouvoir refaire ça. Bref, je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis.